Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Xenoblade Chronicles 3. J'espère que vous allez bien. C'est le 321e épisode. C'est encore et toujours le record de ma série. Et pour le moment, je ne vois pas d'autre jeu que Xenoblade Chronicles 4 pour le battre. Peut-être que si jamais je refais le 2, on le battra, mais. Bref. Dans tous les cas, c'est du Xenoblade. Ce sera du Xenoblade, très probablement. Puisque 321 épisodes, c'est quand même pas mal. Alors après, il y a 83 épisodes du DLC, hein, c'est un peu de la triche. Mais ça fait partie du jeu entièrement. Donc, pourquoi je dis que c'est le dernier épisode alors qu'il nous reste encore des choses à faire sur le jeu et que je vais vous dire ce que c'est. Les boss. Voilà, on a fait toutes les quêtes du jeu. On a fait 100% des quêtes du jeu. Et ça, c'était le plus important pour moi, parce que c'est ce qui développe le monde, c'est ce qui développe les personnages, c'est ce qui développe les colonies. Et c'est ce qui est intéressant. À mon sens, le plus intéressant. Et ensuite, il nous reste du coup les combats. Les combats, je suis allé voir parce que je ne voulais pas non plus passer 1000 ans à rechercher où et quoi était et qu'est-ce qu'il fallait faire. Et en fait, j'ai vu ce qu'il fallait que je fasse et j'ai fait non, je ne ferai pas ça. Puisque, vous voyez, les deux petits boss, on s'est cassé la tête dans l'épisode précédent à essayer de les battre. On les a pas battus d'ailleurs, spoiler, qui sont en Cadencia là. Ici, là. Pas loin, je sais plus où, mais là, voilà, si c'est cela, ben bon, il y a un point d'intérêt, mais les deux boss devant, c'est même pas, ils ne font pas partie des 5 les plus puissants, vous voyez. Donc en fait, les 5 les plus puissants, c'est vraiment des énormes bêtes, mais vraiment, il y en avait une qui était en Aesia, c'était celle-là qu'on avait trouvée, qui était dans une zone un peu cachée, là, le piaf qu'on pouvait pas passer avant. Je sais plus où il est exactement, mais quelque part dans le lac ici, je pense. Quelque part dans le lac ici, très très probablement. Au lac Couli. On va pas y aller, hein. Mais c'est pire encore que ça. Puisque le final, le cinquième, le tout dernier, il est niveau 140. Et c'est impossible. Mais vous voyez, quand j'ai vu ce qu'il fallait faire pour avoir les mobs finaux, je me suis dit, bon, je vais même pas me faire chier à y aller, hein. Il doit être là. Il doit être quelque part au milieu, mais il n'est pas là. Ouais, si, voilà, regardez, il est là. C'est lui, c'est un des plus puissants. Voilà, niveau 100. Ruyulel funeste. Et c'est même pas la peine, hein. Voilà. Voilà, c'est même pas la peine d'essayer de le faire. Puisque il faut qu'on ait les équipements, machin. Faut qu'on ait les trucs bidules. Et ça me plaît pas, ça. Ça ne me plaît pas du tout. Donc, j'ai pas envie de me prendre 25 épisodes à essayer de farmer du mob et que ça ne m'apporte rien au final. Donc, peut-être une conversation, hein, pour aller chercher le cinquième boss. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. La conversation, c'est pour aller chercher le cinquième boss. Donc, c'est pas la peine. On va pas se prendre la tête sur ça. On va plutôt s'attarder sur s'arrêter un moment. Il faut savoir dire au revoir aux bonnes choses pour laisser place à de nouvelles. Et notamment Xenoblade Chronicles 2, Torna the Golden Country, qui arrivera une fois la série terminée, donc a priori la semaine prochaine. Si j'ai le temps de la tourner. Mais dans cet épisode de conclusion, nous allons revisiter les colonies, les endroits intéressants. Vous voyez, là, par exemple, c'est très joli. Vous voyez, c'est très très joli. Mais surtout, il y a un endroit en particulier que j'aimerais, dans lequel j'aimerais retourner. Et parce que j'ai vu une vidéo, je ne sais plus où exactement. Et j'ai été super choqué de ne pas avoir vu ça. Et je ne sais pas si vous l'aviez vu aussi. Mais en tout cas, c'est intéressant. Promis, c'est intéressant. Donc, on va regarder sur la carte, faire un petit tour. Un petit tour sur nos héros. Bon, en même temps, on va pas faire du remplissage pour faire du remplissage, hein, mais un petit rappel de nos héros, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on a pu faire avec. Vraiment, Xenoblade Chronicles 3, c'est incroyable. Et j'aimerais profiter de cet épisode, tandis que je vais me rendre là où je veux aller. Hop, mais j'y étais en plus, je suis con. On va faire monter le suspense. On va monter par là. On va en profiter pour parler de l'avenir Monolith Softien et de la potentialité. Parce que je pense que je l'aurais fait en commentaire en réponse, mais. Ah, mais j'avais même pas capté. Mais il y a de la flotte là. Hein. On est dans de la flotte. C'est de la flotte ça? Ça a l'air d'être de la flotte. Mais c'est. Vous voyez? C'est chelou. C'est de la flotte et il y a un gros mur, c'est finito quoi. Ouais, on sait pas trop où
Ou comment quoi, hein. Bref. Ah bah oui, on est dans le monde du 1 là, je suis con. Dans le monde du 1, c'est de la flotte partout, hein. Donc il y a un mix entre le monde du 1 et le monde du 2. Donc le gars, le Z, il s'est pas fait chier, il a mis de la flotte partout et de la terre ici, c'est plus simple. Et oui, c'est ça. C'est ça. Bref. Le prochain jeu de Monolith Soft. Vous m'aviez dit, vous, en commentaire, enfin certains d'entre vous, que ça pourrait pas sortir en 2025. Enfin, que ça sortirait d'ici un ou deux, ouais, un ou deux ans. Non, c'est ça, c'est 2025, un ou deux ans. Donc, en fait, on est d'accord. Pas avant. Ça, on est d'accord. Pour moi, mais pas pour la prochaine console. Un ou deux ans après la sortie, peut-être que tu disais. Bref. Oh! On retournera aussi en haut du château, tiens. On va retourner d'abord en haut du château, avant d'aller là. Carte. On va retourner le niveau 5. Donc, le prochain jeu de Monolith Soft, il y a de grandes chances pour moi que ce ne soit pas un Xenoblade de la saga principale. Enfin, c'est évident, d'ailleurs, parce que il est sorti en 2022. Xenoblade 3 est sorti en 2022, le DLC en 2023. Il y a zéro chance que en 2025, il y ait Xenoblade Chronicles 4, hein, vous voyez. Ça me paraît OK. Si on a un développement de 5 ans, ce qui s'est déroulé entre 2017 et 2022. On peut se dire que en 2027, on a Xenoblade Chronicles 4. On peut aussi se dire que Xenoblade Chronicles 4, ça sera un développement un peu plus long parce que peut-être que le jeu est plus ambitieux, que vu que c'est une nouvelle console, il faut apprendre à la maîtriser, enfin faut la maîtriser, vous voyez. Que la Switch entre le 2 et le 3, ils ont directement appris à gérer la console. Là, il faut peut-être quelques années de développement, enfin quelques mois de développement supplémentaire pour bien apprécier les spécificités techniques et compagnie. Donc après, comme c'est des magiciens chez Monolith Soft, il y a moyen que non. Mais il y a moyen que si. Donc on peut peut-être se dire même 6 ans de développement, c'est pas déconnant pour un gros jeu, mais je pense que ça sera plutôt autour des 5. 2027, voilà. Mais 2027-2028, dernier délai. Donc 2028, Xenoblade Chronicles 4. Mais d'ici là, ils vont sortir des jeux, Monolith Soft. Comment je revais dans la chambre de la reine là? Appartement de la reine, merci. Donc 2028, dernier délai. Eh oui. Donc ça c'est incroyable. La cité haillante. Mais dégage Yuni, laisse-moi voir la cité. Oh bon Mio ça va. Non mais Yuni aussi, laissez-moi voir ça. Attendez, je peux faire ça comme ça en fait, je suis con. Ok. Ça c'est pixelisé mais c'est incroyable. Que de références. Que de souvenirs. Et il y a la Monado derrière en plus, hein. C'est ça qui est fou. Bref. Tout ça pour vous dire que le prochain jeu de Monolith Soft arrivera très certainement avant 2028, mais au plus tard en 2028. Pour Xenoblade Chronicles en tout cas. Le truc, c'est que pour moi, il y a un moment donné, il y a Xenoblade Chronicles X qui va sortir et qui va ressortir. Xenoblade Chronicles X potentiellement le 2 en fait, hein. Mais je pense qu'ils vont d'abord faire un remake du X et ça peut sortir en 2025. Le jeu est sorti en 2015, hein. Rendez-vous compte, ça fait 10 ans. Monolith Soft, ils sont tout à fait capables de développer, de se faire la main, j'ai envie de vous dire, sur la console avec un remaster. Parce que du coup, ils ont beaucoup moins de temps à passer sur le pré-développement du jeu. Ce qui est quand même énorme, hein, tous les concept art, les tests de gameplay. Faut se dire, est-ce que mon jeu il est cool dans ses systèmes de combat? Vous voyez, il y a plein d'étapes dans le développement d'un jeu vidéo qui sont avant même le développement du jeu. Donc ça fait partie du développement et c'est ce qui prend un temps plus ou moins long. Toute la partie de test pour développer, est-ce que tous les systèmes, les environnements aussi, est-ce que. C'est trop long, prendre au niveau des échelles et compagnie. Donc, avant d'arriver au modèle finaux ou au modèle final du monde, eh bien là, on est dans le pré-développement, vous voyez. Et ça, c'est quand même important
de prendre en compte que dans un remaster ou dans un remake, il n'y a pas tout ça, puisque ça a déjà été fait. Donc toute la pré-développement, il y a quand même forcément quelques concept art pour voir comment on fait la nouvelle version. Donc il y a quand même des tests, mais beaucoup moins, sur une période beaucoup plus courte, parce que tout ce qui est gameplay et compagnie, ça a déjà été fait. Donc pour se faire la main, je pense que pour se faire la main sur une nouvelle console, faire un remake, c'est une très bonne chose, puisque ça permet de raccourcir le temps, tout en augmentant le temps de développement lié au développement même du jeu, puisque nous avons besoin de ça. Voyez. Donc je pense que faire un remake de Xenoblade Chronicles X, surtout que le jeu s'y prête, étant donné que c'est de l'exploration, c'est un monde ouvert, que le jeu est magnifique, et que avoir de la Supra HD, du ray tracing ou ce que vous voulez, de ce qui est possible de faire sur la nouvelle Switch, ce sera incroyable. Et avoir ça sur Xenoblade X, ça a deux intérêts. Le premier, c'est ceux qui n'ont pas joué à Xenoblade Chronicles X et qui ont découvert la série avec la Switch, dont j'en fais partie. Hein. Eh bien, c'est un autre moyen de commencer cette série parallèle Xenoblade Chronicles X. Peut-être même un meilleur moyen, étant donné qu'il n'est pas rattaché scénaristiquement au 1, 2, 3, et ceux qui n'ont pas envie de se faire le 3, eh ben, il faut qu'ils fassent le 1 et le 2 en vrai d'abord. Alors, c'est pas nécessaire, mais c'est potentiellement mieux, et en plus, vu que c'est le 3, tu te dis dans ta tête, même t'es pas forcément au courant que le 3 il est indépendant du 1 et du 2, même s'il est quand même nécessaire de l'avoir. Donc, ce qui est important, c'est de retenir que Xenoblade Chronicles X, il a ce rôle là de se faire la main sur la nouvelle machine pour les équipes de développement, tout en ressortant Xenoblade Chronicles X, qui est un très 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 bon jeu, le remettre peut-être un peu au goût du jour dans ses mécaniques de gameplay et de menu. Surtout, parce que le gameplay était au top. Mais le mettre à jour pour, en plus, préparer le terrain pour un Xenoblade Chronicles 2. Enfin, Xenoblade Chronicles X 2, qui sortira potentiellement également, même avant Xenoblade Chronicles 4. Ou alors, c'est tout simplement le même. On verra. Voilà, nous y sommes, hein, à l'endroit où je voulais vous montrer. Voilà. Voilà, regardez, levez la tête. Voilà, voilà, nous avons Dromac. Nous avons Dromac, je n'avais mais juste jamais capté, mais voilà, Dromac. Dromac est là, enfin, une représentation de Dromac évidemment. On sait qu'il y a Poppy derrière cette machine là, cette machinerie. Qu'est-ce que c'est du coup, a priori, elle qui scanne et qui revoit tout, qui voit toutes les infos. Ça c'est super cool. Mais je suis étonné que ce soit pas la forme bêta, vous voyez, la forme que j'ai jamais eue de Poppy. Oméga peut-être même, c'est... Mais bref, incroyable, incroyable. Voilà, c'était juste ça, c'était Dromac, mais c'est incroyable quand même qu'ils aient mis Dromac ici. Alors, ça n'annonce pas forcément du bon pour pour ce qu'il est devenu, hein, s'ils en ont fait une statue comme ça. J'espère juste qu'il n'est pas mouru. Est-ce qu'on peut retourner sur... Non, il n'y a pas la photo en jeu là. Elle n'y est pas, la photo en jeu. Chier ça, j'aurais bien aimé la voir, parce qu'il y a un truc qu'il faut qu'on discute quand même, hein, sur cette photo qui va pas. Et je parle pas des trois bébés, hein, parce que ça, à la limite, bravo à toi Rex, hein. Nia et Mithra et Pyra, hein. Félicitations, ça c'est très cool. Et je parle pas non plus de l'enfant de Mithra qui est inexistant et qui sera probablement une pièce assez maîtresse de la suite. Non, je parle du fait que Gramps, que le titan, il soit redevenu adulte. Parce qu'on est d'accord que dans Xenoblade Chronicles 2, il disait que quand il est devenu enfant, enfin il est revenu jeune, ça mettrait plusieurs centaines d'années. Comment ça se fait qu'il soit sur la photo encore redevenu adulte? Vous voyez? Ça c'est une question qui me triture l'esprit. Bref. On a très très hâte, hein, de faire Xenoblade Chronicles 4. On a très très hâte de découvrir ce prochain jeu de Monolith qui arrivera très certainement en 2027, mais potentiellement en 2028. Peut-être en 2026, mais ça m'étonnerait parce que là ça fait 4 ans, c'est chaud. Donc 2027-2028, ça me paraît être un horizon plus respectable pour Xenoblade Chronicles 4, mais Monolith, on peut tout à fait avoir cette version-là de ce que j'ai dit sur Xenoblade Chronicles X Remastered Definitive Edition, tout ce que vous voulez, pour 2025. Avoir en 2026, peut-être, Xenoblade Chronicles X 2, ça me paraît très bizarre. Peut-être en 2027 et en 2028, Xenoblade 4.
même 2029 si le jeu est vraiment super long, vous voyez, 7 ans de développement. Et puis peut-être, alors, si ce n'est pas Xenoblade Chronicles X et qu'ils ont décidé de le laisser sur la Wii U, eh bien, peut-être, tout simplement, une nouvelle licence de Monolith Soft. Mais je ne vois pas Monolith Soft ne pas sortir de jeu pendant 5 ans, donc... 4, bref. On verra bien. En tout cas, j'ai très très hâte de découvrir cette Switch 2 et tous ces jeux qui vont être incroyables. Nous allons nous arrêter là pour cet épisode de Xenoblade Chronicles 3. Nous allons nous arrêter là pour cette série avec 321 épisodes, même si les deux derniers sont de 15 minutes. Avec 83 épisodes sur le DLC. Je vous laisse faire le calcul pour savoir combien il y en a sur le jeu principal, mais ça ne fait pas du coup... Si je ne regarde que le jeu principal, ça ne fait pas autant d'épisodes que les autres séries, mais en même temps, pour Three Houses, il y avait également le DLC, il y avait 3 routes, donc c'est un peu artificiel, vous voyez. Enfin, artificiel, non, parce que ça fait partie du jeu, mais... C'est pas le temps d'épisode qu'il faut pour avoir la fin du jeu. Donc bref, c'est ainsi que s'achève ma plus longue série de la chaîne pour le moment. Ça va être difficile à battre, mais 321 épisodes, je trouve que c'est joli, ça fait 3-2-1, hein, c'est parti. C'est pas mal. On va s'arrêter là, on se retrouve très vite pour Torna, The Golden Country, le DLC de Xenoblade Chronicles 2. Et évidemment, on attend avec impatience les informations sur la Switch 2 et tous les jeux qui vont être... avec, puisque bon bah tous les jeux Mario 3D, Mario Kart, qu'est-ce qu'on peut sortir d'autre, hein. Je parle pas évidemment des jeux de Monolith Soft parce qu'on vient d'en parler, les nouveaux Zelda ça sera pas pour tout de suite, mais bon, Echoes of Wisdom, hein, lui il me plaît bien, il a l'air vachement cool, donc septembre ça arrive très vite, d'ici 5 semaines ce sera le cas, puis voilà, hein. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette série, d'être enthousiaste à regarder du Xenoblade, puisque vraiment, moi, c'est un kiff absolu. Pour ceux qui aiment les RPG, les JRPG en particulier, Monolith Soft, puisque vous êtes actuellement en train de regarder cette série, sachez que Final Fantasy XVI arrivera sur la chaîne cette année. Alors, je ne sais pas exactement quand, mais d'ici novembre, je pense, ce sera le cas. Et évidemment, Xenoblade Chronicles 2 arrive la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais très très vite. Donc ça, de toute façon, vous êtes au courant. Ciao, ciao tout le monde, et à la prochaine.